Bonjour YouTube! On a une chance parce que regardez, la map est correcte. Elle est plutôt en ma faveur parce que j'ai pas mal de forêts pour me planquer pour pouvoir éventuellement jouer les embuscades. Allez! C'est le moment d'activer tous tes 18 neurones ennemis, d'ajuster son slip en titane et on y va. Bon, lui, il va falloir qu'il buff comme un sagouin tous mes tireurs et que mes tireurs soient extrêmement bien placés. Ah ouais, on a aussi une butte ici assez importante. Merci Xoride pour les 100 bits. Bon courage, merci beaucoup. On va essayer de se démerder. Le cadavre bouffi, franchement, s'il sort au bon endroit au bon moment, ça va être absolument décisif. Ou alors ça va être une catastrophe. Nous le saurons très prochainement. Les chiens, si je les mets là, c'est plus safe. Donc, je veux qu'ils viennent chercher ma milice en premier. Je les mets comme ça s'ils doivent essuyer quelques tirs de trébuchet. Juste derrière, on a des boucaniers. Merci Eridan pour les 500 bits. On y croit, tout va bien se passer, oui. Non mais ça va. Bon, eux, je veux pas qu'ils tirent pour l'instant. Encore que... Si, en fait... Donc en fait l'idée c'est d'avoir la franche compagnie d'abord parce que eux ils fuient. Donc s'ils prennent l'attaque sur eux, ils vont fuir. Et là mes boucaniers prennent la suite. Pendant que eux... Merci Fandloulou pour les 500 bits. Pendant que eux ils pourront arroser à mort. Ça va quand même pas tenir des masses hein. Ah ouais mais c'est Aranessa qui doit aller en premier en fait. On va faire ça sur le flanc gauche alors. Voilà, puissance de feu maximale pour couvrir Aranessa. Et alors, on fera un mouvement de contournement avec ceux-ci. Qui seront prêts à passer sur le côté. Du coup, il faut que je me décale un peu plus sur la gauche, sinon ça va pas aller du tout. En termes de ligne de vue, c'est pas terrible. Il va falloir avancer. Il va falloir que j'avance pour me... Ah oui, oui. Il va falloir que j'avance pour placer les tireurs ici. Obligé. Le Mourngul sera là pour défendre et aider au mouvement de contournement par rapport aux milices si besoin. Le Bouffy reste bien derrière. Et Prométhéen reste derrière pour l'instant. Ils couvriront les tireurs si jamais les tireurs se font engluer. Et évidemment que lui, il buff tout le monde. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il reste ceux-là qui pourraient intervenir dans un deuxième temps en contournement eux aussi. Et des artilleurs. On ferait le tour avec tout cela. C'est de nouveau une strat extrêmement élaborée qui va échouer de manière très spectaculaire. Et ça, ça me plaît. Donc là, on est bon. Oh, le con! Si j'avais mis les loups! Ah mais non, il se serait fait scouter instantanément en fait. Ok, donc il va falloir se faufiler. Faut qu'il s'avance. On va faire attention à leur seigneur parce que là il faut vraiment que je neutralise leur cavalerie sans perdre mes chiens, si possible. Enfin, en tout cas, les chiens ont une mission évidente, c'est de tenir l'artillerie. Hein. Détruire l'artillerie, c'est leur but dans la vie. Hein. Oh mais du coup attendez là on va être pas trop mal s'ils me font une attaque de flanc en fait. S'ils me font une attaque par ici, je vais pouvoir les prendre de flanc là. C'est chaud patate mais ça se fait. Elle risque d'être longue hein. Allez vous chercher un petit coca hein. Ou ce que vous voulez hein. Mais je ne peux pas vous inciter à... je ne vous incite pas à boire. Mais faites-vous plaisir quoi, enfin voilà.
Raisonnablement, mais faites-vous plaisir. Enfin, Trébuchet a pas encore commencé à tirer. Ah, si, il vise mes chiens. What? Ah bah du coup, allez-vous palucher dans la forêt 30 secondes, histoire qu'ils pivotent. Ils sont pas cachés. Voilà, ils sont cachés. Voilà, comme ça, ils se tournent. Et là, je les chope. Ils sont pas à portée. Attendez. Restez cachés. Passez là. Pour vous préparer. J'ai peur. Chiens sont planqués, ils sont en attente. Allez, faut neutraliser ce trébuchet. Oh, c'est déjà beaucoup trop. Allez, chopez-les-moi! Allez! Il tire pas. Là, chope-le-lui, toi. Est-ce que ça peut marcher, ça? Ça y est, ça tire. J'en aurais encore besoin, ça me donnerait un peu de mobilité quand même. Ici, ça dit quoi? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal ce qui se passe. Ok, on va les ramener à portée de tir. Ok, les loups, il faut qu'ils provoquent. Il faut que la deuxième partie de l'armée n'arrive pas. Ok, on va engluer tout ça. Faites-moi des beaux blobs. Tu vas me rater. Tu m'as raté. Olé. Olé. Et ol... Ah. Là. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ah. Allez, chargez! Oh, oh mais bordel! Mais au secours! Mais je vais arriver dans leur dos, dans leur cul, mais... Voilà, par contre, là, c'est bien placé, ça. Hein. Cadavre bouffi, il attend son heure. Hein. Très bien, tue-le, lui. Vous pouviez tuer ce personnage, merci. Mais c'est pas possible. Où sont mes chiens? Ah. J'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir. Allez, défoncez-moi ce blob. Allez, vas-y. Ok, là c'est bon. Oh là là, la deuxième partie de l'armée qui arrive. Attendez, faites-les. Je voudrais qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ok, ça c'est pas trop mal, mais j'ai perdu toutes mes troupes de contact. Ça fait partie du projet. Hein. Bon, eh bien, il semblerait que mes Prométhéens pourrissants vont devoir être absolument brillants.
Mon mongul aussi. Tiens, prenez-les là, eux. Ok, leur morale a... leur morale a pris très cher. Aranessa est resplendie dans cette bataille. Elle est vraiment parfaite. Vous êtes bien placé pour vous occuper de cela, alors faites-le. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais faire un truc, je voulais pas être passif. Donc j'ai fait de la merde. Ok, poursuivez, j'adore ce que vous faites. Vas-y, passe derrière toi. C'est ton heure. Oh non! Ah, fait chier, il y a des unités qui passent. Regardez-moi ce blob. Allez gros. Allez. On va faire sauter le blob. Oh non, celui-là, il est superbe. Quoi? Il me vole ma victoire, il me vole mon travail. Mais non, mais quel... Il s'est fait frôler! Il a fait broute! Je savais pas, moi! Je pensais qu'il fallait cliquer, et puis qu'il fallait bien cliquer. Alors qu'en fait, si on clique pas, il se passe. Il explose quand même s'il touche un truc. Perturbant quand même, hein. Ah! Je vous l'avais dit, hein, cadavre. Cadavre bouffi, c'est l'unité par excellence. Soit il se passe un truc génial, soit il se passe rien. Donc dans cette campagne, vous savez où vous êtes, hein, vous savez ce qui va se passer. Bon, donc déjà, j'ai mis beaucoup trop de monde sur le flanc. Hein. Ce flanking de l'inefficacité absolue. C'était bien pourri. Ah merde, je perds mes chiens. Complètement. Ah bah oui. Ah. Ah bon. Ah bah non, c'était un super flanking. Non, j'ai super bien joué en fait. Tout était parfait. Merci les Wings pour les 500 bits. GG le cadavre bouffi. Vous moquez pas. Je vous jure, il a fait 46 kills, là, n'empêche. Je vais faire une invoque de cadavre bouffi, vous allez voir ce qui va se passer. Je pense que les 7% de trucs ne se refusent pas. Potion d'impétuosité, 36% de bonus de charge et indémoralisable. Super, c'est génial. Elle va devenir utile, vous allez voir. Ah, Peter NordVPN qui passe. qui passe niveau 6, c'est pas si mal. Merci Brengen pour les 100 bits. Nouvelle énigme. Il a gagné un cartographe sartosien. Chance de dérober un objet magique plus 10% et portée de déplacement plus 5%. Mais ça ne s'applique pas à l'armée. Donc moi. Oh, ça va. C'est de la gourmandise. C'est si fort ça. Chez les vampires, la résurrection, c'est si violent. Tyran des ténèbres. Ben oui, après les vanessants. Pourquoi pas? Mais pas tout de suite.
Points de vie et défense de mêlée. Ah, temps de repos, moins 15% pour le rap de poudre, donc le renforcement de munitions, et nombre d'utilisation plus 1. Quand même très embêtant. Quand même très très embêtant qu'on n'ait pas la possibilité de se refaire par contre dans ce territoire. Ça c'est vraiment un problème. Bon, je suis obligé de la faire. Ça va être vite réglé, mais sinon ils vont me supprimer. Bon, est-ce que c'était vraiment un problème? Bon, j'ai pas envie de perdre les artilleurs. Merci quand même. D'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Domino Minette. Merci pour ton sub et bienvenue. Encore 5 levels pour la Mama Bess. Oh, ça va être tellement bien la Mama Bess. Le Mourngul, finalement, il a tanké 1000 fois mieux qu'Aranessa. Hein. Donc Aranessa est quand même beaucoup plus une dueliste. Mais non, même pas, elle s'est faite ouvrir par l'autre. C'est pas une dueliste en fait, c'est une. Elle sert à rien. Voilà, c'est une sert à rien. Pour l'instant. Quand elle sera sur sa monture, ça ira mieux. Mais pour l'instant, elle sert à rien. Si vous avez d'autres questions, vous me demandez. Merci Alamble le pingouin. Merci pour ton resub. Loué soit l'Omnifion. Quoi? Ah oui, il peut rôder. Mais c'est bien sûr. Ce détail m'avait échappé. Mais oui, mais évidemment. Il peut rôder, faudra que je m'en souvienne. Il a quand même dur le Mourngul là. Oui, 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 oui. Vu tout ce qui est en train de l'entourer. Voilà. Il est mort. Mais c'est vrai que les Prométhéens pourrissants, en fait, ils ont une très 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 bonne armure pour du début de campagne. Ouais, c'est quand même du 120 quoi, pour de l'infanterie monstrueuse. Enfin, des monstres. Comment les. Bêtes monstrueuses, oui, voilà. Infanterie monstrueuse, cavalerie monstrueuse. Et maintenant, bêtes monstrueuses, oui, un peu de tout. Bêtes monstrueuses volantes, bêtes monstrueuses. Infanterie monstrueuse volante. On s'y perd un peu. Un monstre monstrueux, ouais, c'est ça. C'est un assassin, le Mourngul. Pas trop comment le qualifier exactement, mais assassin, je suis pas convaincu. Il peut rôder, certes. Mais il est pas particulièrement brillant. Il n'est pas particulièrement brillant pour tuer les créatures ennemies, quoi. Il est anti-infanterie, ça je veux bien, mais... Armure plus 5, résistance physique 10%, résistance 5. Pas dégueulasse, ça. Ah bah c'est bon, Aranessa, là. C'est quoi ces stats, exactement? Attaque d'engelure, donc ça réduit la vitesse. Aura glaçante, moins 36% de vitesse autour de lui. Oui, donc pour pas que les autres lui échappent. Mais bon, 54 de vitesse, c'est pas... c'est une rapidité correcte, mais par rapport au reste de l'armée. Mais sinon, c'est pas dingue. Attaque 48, ouais. Quand même 513 perce armure anti-infanterie. Donc dégâts très corrects. Merci Drigaran, merci beaucoup pour le prime.
Non, il est pas anti-cave, hein, il est anti-infanterie, le monde Gull. Défense 44, ouais, je suis pas hyper convaincu de ses qualités d'assassin, mais l'attaque est un poil faiblarde. Bon, ça va s'améliorer. Hein. Du coup, on va lui améliorer son attaque. Merci Manuk Zeno pour les 500 bits. Souquez les Artimuses. C'est quoi une Artimuse exactement? No respect. As yet. Crew, to me. Je sais pas pourquoi je demande ça, mais ça m'a toujours intéressé. Pas de truc ici dans le coin. Il y a un truc pas très loin en fait. Il y a un trésor ici. Pas si loin que ça, hein. Donc si je fais ça, je ne me reforme toujours pas. Faudrait que j'aille là, en fait. Oh, attends. Oh, hé, oh, t'es calme, hein, toi. Oh, il va m'attaquer. Secours. Je m'en vais. Au revoir. J'espère qu'il va pas m'attaquer. Peu de revenus, c'est oui. Je devrais peut-être virer ça. Si je le vire, c'est pour mettre quoi? Corruption, c'est pas trop intéressant. Ah tiens, il y a quoi au fait? Revenu généré 300, ordre public plus 10, rang du héros recruté plus 3, capacité de recrutement local plus 2, ouais. Et là, votre faction peut voir toutes les régions maritimes. C'est pas mal, mais pour 13 000 balles et en tier 5, c'est quand même un peu cher, quoi. Les Artimus, ça veut rien dire, mais souké, c'est tirer ou attacher. Souké les Artimus, attendez, c'est pas une expression maritime, ça. Une vraie expression. Tu peux voir toutes les armées du chaos. Bon, on verra si je suis déjà au tier 5 et que j'ai les moyens de claquer 13 000 balles pour ça. Pas du tout. Sérieusement? C'est un truc qui sort de nulle part. Portée de déplacement moins 15% et résistance physique 10% pour toutes les armées. Bah oui, je vais prendre ça. Ok, ils m'ont pas attaqué les Bretonniens et ça c'est parfait. Pas l'air d'avoir grand monde ici. Par contre, prendre une ville d'assaut, une ville fortifiée, je veux dire. Je suis pas chaud, hein. Je suis pas chaud du tout, faut que je renforce l'armée en fait. Je vais aller chercher ça. Encore un point et j'ai l'attaque éclair au fait. Pas de cric, bah pour faire des crics il faudrait que j'en ai les moyens. Pour l'instant, je les ai pas trop. Ouf! Ah oui, d'accord, ça aurait été rapide. Bon, bah, je l'avais dit, hein. En 20 tours, il va se faire péter ou il va devenir surpuissant. Mais voilà, il s'est fait détruire. Il a aucune chance s'il pop sur Ultuan. Il faudrait... pour qu'il ait une chance avec l'IA, il faudrait... qui est d'autres factions du mal entre guillemets sur Ultuan quoi en début merci de campagne. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Chicken. Merci pour ton sub. Ils ont fait une map pour toutes les villes le mode. Non, quand même pas. Hein. Portée de déplacement moins 20%, mais réserve de magie plus 10, quantité de départ devant de magie plus 10, commandement plus 10 pour toutes les unités d'infanterie. Pourquoi je ne prendrais pas ça? Bon, ici par contre. Bon, je prends le maigre trésor là.
C'est que plus 1000, mais bon, voilà quoi. J'ai 6 surplus. Attendez, hein? Bah du coup, je peux construire des trucs. Pourquoi il me dit pas que je peux construire des trucs? Quel abruti. Qu'est-ce que je veux? Je veux de l'artillerie, mais voilà! Mortier, caronade, évidemment. Les mortiers en début de campagne, c'est tout à fait ok. Je vais virer les artilleurs ici parce que eux, clairement, ils sont redondants avec le reste et ça fait beaucoup trop. Et je vais mettre deux mortiers dedans. Je pourrais même en avoir trois. La milice de Sartossa, c'est pas trop mal, mais je pense que trois suffisent. Et trois mortiers, on est pas trop mal. C'est quand même du bon dégât de zone, c'est bien comme dégâts sur tout ce qui n'est pas en armure, et pour l'instant ce que j'affronte c'est majoritairement ça. Les mortiers ont une précision de merde, on s'en fout, on va tirer sur des gros blobs, non ça va faire le taf. Tu manques pas d'unité de contact? Si un peu, mais il y a les Prométhéens qui vont être pas trop mal pour remplir ce rôle-là. Je vais les utiliser de façon un peu plus agressive avec les mortiers derrière. Empire Strigos qui est mort aussi. Mais maintenant, c'est vrai que les factions, il y en a tellement... les factions principales, hein, je veux dire genre les haches brisées et tout, on en a tellement que c'est un peu obligé qu'il y en ait qui meurent comme ça quoi. Et même beaucoup, c'est impossible que toutes les factions survivent longtemps quoi. Bon lui il veut toujours rien. Si j'attaque pas les Stalys, je crois qu'il... On n'aura rien à foutre. Mais je veux pas le faire tant que j'ai pas mon artillerie et tant que j'ai pas l'attaque éclair. Je veux pas me mettre trop d'ennemis à dos. Par contre, la Tilée, ils bougent plus. Hein. Ils sont dans leur coin, ils font plus rien. Toujours un plaisir de te voir en stream, j'ai fait le pas sur Twitch. Ah, bienvenue. Et GG pour ton évolution sur ta chaîne. J'ai cru comprendre dans un de tes lives que tu étais passé mi-temps. Oui. Merci beaucoup. Longue vie à toi, j'espère que tu peux. Dès que je peux, je m'abonne direct pour apporter une maigre contribution. Merci beaucoup, mais il n'y a pas de souci. Hein. Simple fait d'être là, c'est déjà très très bien. Je me demande, est-ce vraiment hygiénique de vivre avec des fins pourrissants dans le même bateau? Scales and salt. Je pense que Aranessa, c'est pas ce qui la tracasse le plus, hein, les trucs. Tiens, elle a au fait, dans le lore, j'ai plus trop regardé le lore d'Aranessa, mais je sais qu'elle a... Elle a des liens avec les Norses. Elle déteste les Norses. Je ne sais plus exactement pourquoi. Je devrais me déplacer. Putain, Miragliano, je vais aller les piller. Saltwater. Je vais aller les piller. Histoire de passer le niveau supplémentaire pour avoir l'attaque éclair. On est quoi? Niveau 20? On est tour 24. Il va falloir que ça se débloque très très vite, madame. Mortier ou caronade à plus haut niveau? Caronade, hein. Les caronades sont beaucoup mieux. Les caronades sont perce-armure. Sur de l'infanterie, c'est hoquet tiers. Parce que ça traverse quand même les rangs et ça fait quand même des dégâts relativement corrects. Surtout avec tous les boosts. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Il s'est mis en embuscade. Elle est Norse mal formée et bannie. Ah oui, c'est ça, elle s'est fait virer. C'est pour ça qu'elle déteste les Norses. Elle est originaire de Norska, effectivement. Toujours avec le chaos x20. C'est pas vraiment chaos x20, c'est le super chaos invasion là. Mais oui, c'est un peu l'idée.
treasure. I can smell it. Et donc les caronades, c'est plutôt ok hein, en fin de campagne. En tout cas, ça remplace les mortiers, parce que bon, les mortiers sont pas perce armure, donc au bout d'un moment, ils deviennent quand même assez limite. Hein. Regarde, 117 de puissance, non perce armure. Mais bon, les mortiers, l'avantage, c'est leur tir en cloche, le fait que c'est du tir de... c'est un peu du tir de saturation, entre guillemets. Merci, Jipantak. Merci pour le sub, le resub. Citation de pirate, vous êtes sans nul doute le pire streamer dont on m'ait parlé. Au moins, on vous a parlé de moi. Oui. Merci pour la référence. qu'est-ce que je disais ? Oui, le mortier, c'est limite du tir de saturation, en fait, d'artillerie. Et qui fait que... Pardon. Qu'est-ce qu'on fout dans les désolations du chaos ? Allô ? J'ai plus mes chiens. Au secours. Ils ont 5 arquebusiers. Non, attendez. Ah, j'ai ça. Oui, ça c'est avec le... Ok, un petit vent. Qui pourrait être pas trop mal pour aller choper les arquebusiers. Par contre, eux, ils ont un mortier. Quel enfer! On va les saturer avec les mortiers. Ah oui, ça a changé les désolations du chaos. Hein. C'est quand même plus propre. Hein. Dernière fois que j'y suis venu, c'est pas le souvenir que ça m'avait laissé, mais c'est pas mal. Ah oui, effectivement, cet arbre-là était pas là. C'est pour ça que je suis perturbé. Donc... forêt là. Ah oui, non, là. Mortier, le gros avantage aussi, c'est quand même le gros tyran cloche. Hein. Qui est quand même une valeur sûre. Alors là, ça y est, l'estrade de merde. Alors là. Oh oui, attendez, il y a une strate de merde qui est en train de poindre dans mon esprit. Ah oui, lui il peut rôder. On est sauvé. C'est lui qui va aller chercher les trucs. Les tireurs, évidemment. Ce déploiement de merde. Et donc potion d'impétuosité, un démoralisable, prend un bonus de charge, on s'en fout, c'est vraiment que dalle. Rien d'intéressant pour moi. Pas tirez-vous. Hein. Et donc ça, ah j'en ai que deux. Donc ça c'est le truc que j'ai gagné parce que j'ai construit le bâtiment d'artillerie. Toujours ça de prix.
On dit pas déploiement de merde, on dit déploiement expérimental. Oui, c'est ça, c'est un déploiement expérimental de merde. Absolument. Alors, monsieur... Monsieur Peter NordVPN, est-ce que vous pourriez vous faire discret? C'est vrai qu'on le voit pas, hein, en bleu pétant comme ça, au milieu des hautes herbes. Chut. Ne te verrons pas si tu ne bouges pas. Regardez, il est discret. Hein. Attention, ils arrivent. Quand même une belle ligne. Hein. Il s'arrête. Non. Je sais pas où la lancer, mais il s'arrête. Je le mets là. Ah ouais, mais c'est décevant en fait. En fait, c'est de la merde. Mais venez. Pourquoi vous ne venez pas? Par contre, leurs arquebusiers, on est bien d'accord que s'ils arrivent à portée de mes Prométhéens, je vais pleurer. L'autre qui rentre. Ah, cette scène, elle est parfaite. Oh les mecs quoi. Hé hey, Dédé, t'as pas un petit peu l'impression qu'on t'observe? Ah oh, c'est sublime. Oh là là, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. C'est pour ça que j'aime ce jeu moi. Il tire sur quoi là mes mortiers? Allô? Oh là là. Ah mais ils en ont deux en plus des mortiers. Ah mais parfait. Ça tire là, ça tire. On sort pas ceux-là. Allez Peter dans VPN qui débarque. Personne l'a vu. Personne l'a vu, personne n'entend, je vais l'avoir. Oui. Spru. Allez, au boulot. Ouais, aïe, aïe, ouais, 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 ok, ok, ok. Non, pas là, hein. Ça, c'est du... C'est de la non-optimisation à stock, hein. Allez, vas-y, ramenez ça. Chope-les. Ok, le Mourngul, on va dire que c'est ok. Je claque ça là, même si c'est pas ultra efficace. Cassez-vous, vous. Je suis extrêmement serein. Oh putain. Ok, dégage. Tu dois pas. Tu dois y arriver. Ah mais le con. Tant pis, le deuxième a fait prout. Mais je pense que c'est pas mal. Ok. Là. Allez, achève-les. Achève-les, tu les one shot. Non. Mais c'est de la merde. Ah non, c'est pas... ça va. Au secours. Je me fais ouvrir. Enfin, ouvrir pas encore tout à fait. Je me fais... Il y a un peu de bolossage, on est d'accord, mais pas encore ouvrir. Je vais perdre les trois quarts de mon armée. Ça, c'est entendu.
Anessa, elle est pas bien. Allez, dégage! Dégage, donne-la! Voilà! Regardez les mortiers! C'est pas si mal, hein! Le monde gueule. Contre des halbardiers, c'est non. Attends, fais pas blob maintenant. Par contre, ça y va, ça, hein. Du calme. Rien n'est fait. Des joueurs d'épée. Vas-y, va jouer avec leurs épées. Ouh, qui a mis ça à Ranessa? Qui lui a fait ça? What? C'est pas lui? Oh, c'est ce répurgateur à la con! Ah ouais? Oh! Il la massacre! Ah ben voilà. Ah non, c'est mort. C'est mort. C'est vraiment mort. Hein. Ils pourront pas m'atteindre par la suite, mais... Mais alors par contre, c'est bien pourri là. Encore que... Ok, Aranessa, il va falloir que tu utilises ton filet. Tiens, bois ça histoire de ne pas repartir en cacahuète. Ah, les mortiers, bordel! Il faut les neutraliser maintenant. Allez! Allez, tuez-le! La précision! Allez, ça tombe ça! C'est ok, là, les gros là. Aranessa, tu restes ici. Oh non, les mortiers sont pas neutralisés. Le Mongul, il doit y aller. Allez. Allez. Oh là là, les mortiers ennemis qui me massacrent, c'est horrible. Je suis quand même pas tiré avec mes mortiers sur les leurs, quoi. Pourtant, eux, c'est ce qu'ils font avec un certain succès, hein, faut bien le reconnaître. Allez. Pour la première fois dans l'histoire d'Internet, un VPN va servir à quelque chose! Neutralisez-moi ça, je veux plus les voir. Voilà, faites en sorte qu'ils reviennent pas, eux. Aranessa, tu te calmes, tu te détends. Tout va bien se passer. Il y est. Oh, il va se faire des pop. Oh putain, il y a encore beaucoup trop d'arquebusiers. Non, Aranessa, tiens le coup! Je t'en prie. Oh, leur mortier, j'arrive pas à les avoir, quelle horreur. Ah, le répurgateur, c'est lui qui me met si cher. C'est lui qui a mis cher à Aranessa et c'est lui qui est en train de massacrer Peter NordVPN. Je peux les avoir au moral, cependant. Il faut que les mortiers continuent à tenir. Le maintien du moral d'Aranessa... Dégage. Allez. Je viens de claquer mon truc dans le vent. Il me reste tellement rien comme unité.
Voilà, va te palucher. Va te palucher, oui. On les attend. Si Aranès a perdu son moral, c'est cuit de chez cuit. Oh là là. Ok, ça c'est pour A. Et ce répurgateur de mes... Oh là là, il peut plus donner de poudre. Ah ! Allez, hein. Oh non, je les arrêterai jamais. Bon, les joueurs d'épée, va vraiment falloir leur mettre le max. Ok, les mortiers sont repris au cac, ça c'est la bonne nouvelle. Avance-toi, toi, parce qu'il a encore des grenades et il est quasiment full life. Allez, on met la max. On met la max sur les joueurs d'épée. Ok. Ils sont plus de mun. Oui, le monde gueule, vas-y. Ah, Nessa, elle peut plus rien faire, sinon elle va partir en déroute. Allez, massacrez-les. Yes. Allez, fonce! Tu passes à travers, t'en as rien à secouer. Plus de munitions, quasiment plus rien. Vraiment les derniers trucs qui partent. Bon, allez, visez là. Oui, faites-les bouger. Essaye d'assassiner l'assassin. Ils vont partir. Vas-y, bouge, il faut pas mourir. Non, c'était pas une bonne idée. Les répurgateurs, quand c'est moi qui les joue, ils se font ouvrir en deux par tout ce qui passe. Non, qu'est-ce que vous faites? C'est ridicule. Mais avale-le tant qu'à faire. Oh là 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 là, c'est trop... Non, je peux pas perdre le... Pas faire ça. Non, je peux pas perdre le monde gul maintenant. C'est trop con, il a la régène en plus. Plus une seule munition, ça c'est trop con. Non, pas l'effondrement. Allez, faut que tu le tues maintenant. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Non! Merci Méo Gifo. Hey, salut! Merci beaucoup pour le sub. Dégage! Il va crever. Ah, mais ça aussi d'ailleurs, si je la laisse là. Hein. Il est encore en effondrement? Oui. Oh, t'as pas le choix, Anessa. Il lui reste rien, mais elle doit y aller. Eh ben voilà, le monde gul est mort. Oh, RIP VPN! Oh les enfoirés, ils ont remis un mortier. Oh non. Oh, ça s'est joué à rien. Ah, et la mort du monde gul, ça c'est trop con. Non. Ah, Aranessa, elle est pas en effondrement, elle, comme c'est pas une mort vivante. Oh là là, et oui, toute l'armée qui part, et du coup, eux, ils reprennent du moral, donc ils perdront jamais. Ah, le manque de munitions, je perds tous mes trucs, non! Pourquoi? Oh, c'était tellement à rien. Franchement, j'avais des chiens galeux, je la gagnais. Juste ça, du mobile pour aller chercher les mortiers qui m'ont ouvert. Du mobile pour chercher les tireurs, et je gagnais. Aranessa se reforme. Ah bon? Ah ouais, mais l'autre il a encore des munitions.
Le gars qui refuse d'abandonner. Alors qu'ils ont encore des joueurs d'épée, il y en a combien? 38. Et si j'arrivais à me planquer dans la forêt? Il me talonne quand même vachement, hein. Ah, mais il a mis à mon doigt, il a cliqué! Voilà, merci Méo! Merci pour les 10 subs! Merci beaucoup! Non, ça marche pas, il arrive pas à se planquer. What? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'avoue, pour un mort-vivant, il a un sacré cardio. Plus de bombes. Allez, cours. Cours, petit homme. Allez, une salle, vous deux. Ah! Il a fait prout. Chier! Oh, le manque de munitions sur la fin et l'absence de mobilité qui me coûte cette victoire. Merci Grey Fox, merci beaucoup pour ton resub. Découvert un soir de déprime après une journée de travail à l'hôpital, mon fion et mes chakras se sont ouverts grâce à toi. Merci Grey Fox. Rip les canonniers. Ah oui, les canonniers, je perds les deux personnages. C'est un start de campagne KO x20 optimisé aux petits oignons. Hein. Là, on est. Je pense que j'ai rarement fait mieux pour une campagne KO, Super Chaos Invasion. Ça va être dur de faire mieux. On y a presque cru. Mais moi aussi, j'y ai tellement cru. J'ai cru que leur morale allait s'effondrer. Mais il y a eu 2-3 trucs que j'ai vraiment pas su gérer chez eux et qui m'ont coûté la victoire. Absence de mobilité chez moi. Oh! Absence de mobilité chez moi et donc impossible de neutraliser finalement leur tireur et ça m'a coûté extrêmement cher. Et leur répurgateur de merde, impossible de le choper aussi quoi. Ah non, ils sont morts tous les deux. Aranessa est toujours vivante mais à mon avis elle doit plus avoir grand monde. Peut-être qu'elle a encore les milices. Ouais c'est ça, c'est les seules unités qui peuvent pas partir en effondrement donc ça passe. Je peux pas rentrer à Sartossa. Bon par contre ils peuvent pas m'atteindre. Enfin bon, pour ce que ça va changer. Bah, après Sartossa... super, super. Après pour ce que... Sartossa... Ah 18 unités en garnison. Ah ouais solide quand même. Bon là il me faut de la thune. Les joueurs d'épée étaient encore gérables honnêtement avec les canonniers et tout, ils étaient franchement c'était gérable. Revenu des ports plus 10%, ben voilà. Mais c'est leur tireur sans neutraliser leur tireur, c'est pas possible. Enfin, ça s'est pas joué à grand-chose mais en tout cas, ça m'aurait donné la victoire. Ça sent l'attaque d'opportunité par le pirate d'à côté. C'est une possibilité. De toute façon, au stade où on en est, perdre Aranessa, ça fait pas une gigantesque différence. Hein. On va repartir de zéro. À part que Aranessa a le... Mais non, il attaque pas. À part que Aranessa a le bâtiment de recrutement le plus intéressant. Oh, grand omnifion évanescent dont les misclics dépassent ceux de Tsench lui-même. Offrez à vos cultistes une émoticône prout. Pourquoi pas, il me reste encore plein d'imotes à faire. Utilisez vos bêtes monstrueuses de moutons du chaos. Cela intimiderait Sigmar, Nagash et même le Racornu. Pas les dieux du chaos, faut pas abuser. Kiss kiss love, monseigneur. Une imote prout. Une imote bretelle et une imote prout alors. Pourquoi pas.
Comment ça, un seul? The Queen of Tides. Master. Pas compris. Sartosa, est-ce qu'il y aurait pas éventuellement des trucs à faire? Bon, l'artilleur, il me le faut. Hein. Capitaine de flotte vampire. Ah, lanceur de sorts. Ah, voilà qui est intéressant. Oh, les profondeurs! Je veux un capitaine des... Annie Wakefield. Wakefield, commandement plus 2 dans l'armée, attaque de mêlée plus 2 dans l'armée. Welcome. Un peu de sort, ça fera beaucoup de bien. Bon, ensuite, on est déjà face à des joueurs d'épée, donc il me faut impérativement du perse armure. Et pour ça, il y a les artilleurs pirates zombies. Et qu'est-ce que je... Ah oui, voilà. Ça qui se passe. Il me faut... Du perse armure, c'est-à-dire... Les canonniers, c'est là, donc c'est du tier 4. Merci Eridan. En ville, t'as 2 lignes de recrutement locaux. Ah oui, c'est juste, effectivement, faut scroller. Mais non, mais ça c'est mon bateau, mais pourquoi mon bateau? Bah oui, parce qu'il est amoché. Bon, je vais reprendre un peu de milice quand même. Mais alors par contre, boucanier modeste, ah, chien galeux, il m'en faut. Hein. Impératif. Tu vas reset ou pas? Non. Je ne suis pas quelqu'un qui reset. Au moins tu remplis les thunes. Oui, on va investir un petit peu. De toute façon, Aranessa a besoin de 2 tours pour se soigner. Oui, oui, évidemment. Ils vont quand même venir essayer de m'attaquer. Merci Toniam pour les 100 bits. J'ai raté beaucoup. Non, on vient de commencer. Ah. Non, Osef total. Bah donc tiens, va pexer toi. Ah voilà. Son bateau est réparé. 4 mortiers, c'est un peu beaucoup par contre. Ils vont quand même pas oser m'attaquer avec mes 18 unités en garnison. Si ? On est quoi là, tour 28 uh-huh. Merci Nilin. Merci pour ton resub prime. Il y a une map pour Sartosa. Ça c'est une bonne question. Je sais pas du tout, hein, moi je découvre hein, le truc. Ah ça y est, il quitte à gagner contre les Stalis. Peut-être qu'il va s'énerver contre la Tilée d'ailleurs. Oh là 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 là, la Tilée qui s'énerve mais tellement... Mais oui, mais tu m'étonnes en sortant des armées pareilles déjà. C'est très long de monter entière chez les côtes vampires. Bah, pourtant, j'ai mis pas mal de bonus en croissance. Un peu partout. Allez, là, il me faut des chiens. Ça va prendre un peu de temps. Capitaine. Get going, scum. Combien ça coûterait pour une cric 1700? Ça serait quand même relativement rentable. On pourrait peut-être le faire. Oui, il y a une map pour Sartosa. Ah. Bah, en général, c'est les villes majeures qui ont été
qui ont reçu des trucs, et c'est vrai que Sartosa c'est quand même une ville vachement importante. Donc elle a bien reçu un truc. Bon. Au revoir YouTube.